Alors, on va d'abord. Moi, je vais changer. On va faire de la décapitation, les amis. On va se mettre. La hache. Ok. Oui, en réponse pour le bouclier de Lydia. En réponse à un abonné, il se reconnaîtra encore un petit clin d'œil à lui. J'ai mis une germe pas magistrale. Hein, et on peut diminuer les coûts, en fait. Hein. Donc, par exemple, ma hache va donner, je sais pas moi, 200 coups. Elle va être ici inflige 18 points, par exemple, hein, pendant 200 fois. Et je peux mettre 250 fois. Et ça diminuera le nombre de points. Donc, par exemple, 15 points. Ou bien... Mais en tout cas, merci pour ta remarque. C'est sympathique. Hein. Si je savais pas, au moins, j'aurais su. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette hache. C'est dingue. J'adore cette hache. Cette hache, j'ai dit. Elle est magnifique. J'aime vraiment bien. Alors, on était sur ça. Ça, je vais retirer. Magnifique. Ah, je suis content. Regardez quand je mets la hache. Dommage, je sais pas combien qu'on est dans le dos. Quand je mets la hache, les flèches sont automatiquement, hop, désactivées. Ça, c'est très bien. Alors, c'est parti. Ça fait bizarre les jeux comme ça. Ah oui, juste, c'est ça que j'avais bizarre aussi. FOV. Je mets 90, mais alors, on va changer, on va mettre 80. Normalement, je mets 85, 90. La distance est beaucoup mieux. Voilà. Allez, on va lui apporter son truc à lui. Quoi puis-je m'aider? J'ai trouvé un torpeur. On dirait que cet endroit a été pillé par les arts. Bien, j'ai réussi à me mener jusqu'ici, mais c'est à vous de me guider pour le reste du chemin. Buvez. Non, attendez. Vous avez compris, c'est le crâne le plus vite possible. Ici et maintenant, non. Attendez. Je fais juste une petite pause, amis. Je vérifie parce que j'ai pas l'impression que le son, vous avez vraiment bien le son dans les oreilles comme il faut. Et ça m'agace un peu. Et les amis, non, voilà, apparemment, ça va. Donc, ouais, on y va. Plus, en quoi puis-je t'aider? J'ai trouvé Je la suis torpeur, vous soulagé aurez que bien. vous l'ayez trouvée intacte. On dirait que cet endroit a été pillé par des arts. Bien, j'ai réussi à me mener jusqu'ici, mais c'est à vous de me guider pour le reste du chemin. Buvez. Ici et maintenant. Le sort d'Aube Étoile dépend de cette petite bouteille. Plus nous attendons, plus Vermina risque de violenter ces pauvres gens. Je comprends votre hésitation, mais je vous promets que ça marche. Mais c'est pas ça. Je veux bien. Ce qui m'embête, l'ami, c'est que si je bois ce truc-là, est-ce qu'on ne devrait pas ouvrir toutes les portes, des trucs comme ça avant, non? Vous verrez les souvenirs d'un autre, de vos propres yeux, et vous les vivrez. Ceux qui se trouveront à côté de vous vous ressentiront normalement, et vous aurez l'impression que les mots que vous prononcez ne sont pas de vous. Cette étrange pratique a mené à un débat pour savoir s'il s'agit vraiment d'un rêve ou plutôt d'une manœuvre de Vermina. Ok. Et comment sortirais-je de là? Je veillerai sur vous pendant votre sommeil. Si je me rends compte que quelque chose se déroule mal, je vous réveillerai. À part cela, je ne sais pas quand prendra fin votre marche onirique. Peut-être lorsque la curiosité de Vermina aura été satisfaite. Ben... Continuons. Nous avons encore fort à faire.
Voilà, c'est ça qui m'embête. Tu vois, tu avances. Ça m'embête un peu. Est-ce que je dois boire le truc maintenant ou pas? Mon fils, en quoi puis-je t'aider? Continuons, nous avons encore fort à faire. Ok. Si tu le dis, mec. Attendez, je fais une sauvegarde ici, les amis. Hein. Voilà. Comme ça, on verra. On va avancer avec lui pour voir si je dois vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a dit de l'avoir maintenant. Qu'est-ce que tu me fais, l'ami? Aïe. Qu'est-ce que je dois vraiment faire? On va le suivre. Et si pas, je reviendrai à ma sauvegarde. Et on verra bien ce qui se passera, les gars, les amis. Si simple que ça. J'ai mieux sprint sur le A, c'est beaucoup mieux, je trouve. Je sais pas. Je vais laisser aller. Mais si pas, je buvrai maintenant tout de suite. Ouais, voilà, ce serait plus logique que je boive ici. Beaucoup plus logique. Et ça, c'est où ce qu'on était tantôt, la pièce, où ce que j'ai pris la position, vous vous souvenez? Il y avait un truc à droite. Oui, mon fils, en quoi puis-je t'aider? Continuons, nous avons encore fort à faire. Bon, les amis, on y va, c'est parti. Je la bois. Venin. Torpeur. Les orques ont réussi à entrer dans le sanctuaire intérieur, frère. Nous devons tenir bon. Nous ne pouvons pas les laisser s'emparer. Mais nous ne sommes plus qu'une poignée, frère. Alors nous n'avons pas le choix. Le miasme doit être libéré. Le miasme? Mais frère, nous n'avons pas le choix. Telle est la volonté des derniers.
Et toi, frère Casimir, es-tu prêt à accomplir la volonté de Vermina? Je suis en paix avec moi-même. Nous pouvons y aller. Alors, c'est décidé. Frère Casimir, tu dois activer la barrière et libérer le miasme. Ne laisse rien ni personne t'en empêcher. Frère Torek, nous devons rester ici et mourir pour ce crâne s'il le faut. D'accord. À la mort. Alors, qu'il en soit ainsi. Adieu. Je dois activer le miasme. Attendez un petit peu. Danger, fin du cauchemar. Je vais retirer tout ça. Voilà. Sinon, je risque pas de me gourer. Ok, ici un méchant combat. Un méchant combat là. D'accord. Bon, ici je peux rien faire apparemment, si. Soutu en train de se battre. Donc c'est certainement pas par là. Alors il m'a montré le chemin. Ok. Donc je vais aller vers le haut. Ah! Wow! Activez le miasme. Je vais vous montrer ce que c'est que de se battre. Vous êtes là, tant que vous pouvez encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, sale mauviette. Montrer ce que c'est que de se battre. Hey, cassez-vous. Je dois libérer. J'ai libéré un gaz mortel, les gars. C'est parti. Vous allez tous crever. Vous allez considérer que tu es. Ok. Ça, c'était la pièce où on était où? Désactiver la barrière magique. Ok, désactiver la barrière magique, parler à Erendur. Tout a fonctionné. Louange à Mara. Vous avez disparu après avoir bu la torpeur et avez repris forme de l'autre côté. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Ouais, c'était incroyable, j'avais l'impression d'y être réellement. Comme je vous en prie. Je ne peux qu'imaginer l'excitation de voir l'histoire se dérouler par les yeux de quelqu'un d'autre. Malheureusement, il faut que je me contente de la lire au travers de mes recherches sur le crâne. Nous pourrons en parler plus tard. Là, il faut continuer. Vous avez raison. Ma vénération des manœuvres de Fermina ne doit pas prendre le pas sur notre mission. Mes excuses. Mais le sanctuaire intérieur nous attend. Nous devons atteindre le crâne et mettre fin au problème que connaît aux étoiles. Je vous suis. Donc, les amis, si jamais le son est trop peu, parce que honnêtement, je pensais que le son était plus. Enfin, le son de la voix, quoi, était beaucoup plus élevé, quoi, de leur voix, c'est bizarre.
Ne vous inquiétez pas, je vais stopper, hein. Je fais un petit chrono et je vérifierai juste après. Tu me suis. Ok. Venez, nous devons rejoindre le crâne et le détruire. Qu'est-ce que tu Abandonnez tant que vous le pouvez encore. Fuyez les profanateurs. Chien. Potion magie. Magnifique. Allez, hop. On va se prendre quelques potions. Bâtard et pitié. Wow, insignifiant, bof, il y en a plusieurs, ça. Tout ça, c'est bien. Ordinaire. Utiliser à tes enchantements. Non. Ah, vous allez vous dire, je suis certain que... Je sais pas. Ou c'est moi. Magnifique tout ça. Boum! Justement, tu bouges pas, tu restes là. L'air de votre dernier repos assuré. Punaise, tout juste. Et manger 10 points de santé sur 15 points de vigueur. Qu'est-ce qui se passe, mec? Ok. Alors, je vais regarder qu'est-ce qui pèse le plus lourd. 5 points. 15 points. 15 points. Et on va lui mettre un petit truc en plus, un petit poison là, tu sais. Crève. Et sous violent. Hein.
Il est chiant, il va trop vite, j'arriverai à rien. Non, par contre, merde. Je suis certain qu'il y a des trucs intéressants. Mais lui, je veux rien savoir. Il trace, il laisse tous les coffres, ils sont fous. Ils sont contre vous. Regarde-moi ça. Je ne peux pas faire ça. D'accord. Un peu plus bas. Non. C'est bon. Il voulait que j'aie ça là, vous. Franchement. Maintenant, casse-toi, toi. Voilà. Taïo. Dans ton crâne. Ouais, tu bouges pas, tu restes là, tu me laisses faire. C'est moi le Dovahkiin. Vous êtes en vie. Ce n'est pas grâce à toi, Yasmin. Je ne me fais plus appeler comme ça. Je suis Erendil. J'en étais sûr. Tu es un traître. Tu nous as laissé mourir et tu t'es enfui pour échapper au miasme. Non, j'ai eu peur. Je n'étais pas prêt à dormir. Ah, c'est menti. Je ne peux pas te laisser détruire le crâne, traître de Mara. Alors, vous ne me laissez pas le choix. Attention, ils se sont réveillés. Et je fais quoi, moi? Me pardonne. Ouais, et ça. Bah, je l'ai déjà, je pour moi, ouais, je l'ai déjà. De l'or, collier d'argent, bâton, je prends, dague en verre, je prends. C'est des règles de règles. Ils étaient mes amis. Suis-je puni pour mon passé? Je connaissais des règles de règles. Ils étaient mes amis. Suis-je puni pour mon passé? Est-ce la volonté de Mara de me tourmenter autant? Venez, nous devons rejoindre le crâne et le détruire.
Non, non, d'abord t'attends, tu rejoins que dalle. Et le fou, il dit, lui, il te des potions monstrueuses, on a là. Connaissez des règles. Suis-je venu pour mon passé? Est-ce la volonté de Mara de me tourmenter autant? Ils avaient peut-être raison, ça faisait pas mal. Non, ne les écoutez pas. Ils ne cherchent qu'à mentir et à tromper. Si nous les avions aidés à libérer le crâne, ils s'en seraient servis pour semer le chaos dans tout bord de ciel. Il fallait qu'ils meurent. Le moment est venu. Le crâne doit être détruit. Reculez-vous. Je vais accomplir le rituel que m'a appris Dan Mara. D'abord, une incantation pour ôter la barrière. Oui, mon fils, en quoi puis-je t'aider? Venez, nous devons rejoindre le crâne et le détruire. On attend, d'abord j'aimerais bien tout scaffoter. Je vous implore, Dame Mara, le crâne réclame. L'heure de votre dernier tour a sonné. Non, non, ça va. Ça va tranquille, mec. Je vous implore, Dame Mara. Le crâne réclame de ses vies et ne les échange. Accordez-moi la force de briser cette barrière et d'envoyer le crâne dans les profondeurs de Blivion. Il vous ment. Lorsque le rituel sera terminé, le crâne sera libéré et Erendur se retournera contre vous. Vite, vite, tuez-le, tuez-le et octroyez-vous le crâne. Vermina vous l'ordonne. Non. Je sais pas, je... Oui, mon fils, en quoi puis-je t'aider? Le savoir ancestral nous dit que le crâne de la corruption a une fin inassouvie des souvenirs des autres. Il est resté hors d'atteinte pendant longtemps. J'ai peur qu'il ait acquis la capacité de chercher à se nourrir seul. À ce jour, ce qu'il fait de ses souvenirs n'est que matière à débat pour les érudits et les historiens. Pourquoi est-ce que les autres, ils voulaient tellement le protéger, au fait, tu vois? C'est ça qui me fait bien peur, les amis. Écoutez, je vais le laisser faire. Venez. Nous devons rejoindre le crâne et le détruire. Pardonnez-moi si je n'ai pas l'air soulagé. Ce temple pèse lourdement sur moi. Oui, le crâne a été détruit et avec toi les considérités. J'avais édifié un petit hôtel à Mara dans l'antichambre où nous sommes entrés. Bon, coup. Mon intention était de passer le reste de mes jours ici, à enterrer le passé et à prier pour mon rachat. Mais au lieu de cela, je souhaite vous proposer mes services. Si vous voulez voyager en ma compagnie, vous savez. Inutile de me remercier. Vous avez agi pour les habitants de l'étoile. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est vous. Ouais, et ma petite composition, là, je sais pas quoi. Vous éclaire de sa sagesse.
Eh, génial, donc il rend dur, t'es avec moi maintenant. Ah, ok. Ouais, bien vu. Hop, caché. Masse en verre, 28. Torche, j'en fous. Les clés du temple. Bah, j'ai pas quand même prendre les clés. Ou bien j'ai besoin qu'une mec. Et que vous faut-il? Je peux me barrer alors. Ben voilà les amis. On a fini cette belle quête. On a fini cette belle quête. Ah, génial. Tête celle, ça m'en fallait ça. Diopoum. Toujours diopoum, encore diopoum. Allez, je m'en retrouve fou. On va réactiver le mode, les gars. Donc on sort d'ici. Voir s'il n'y a pas un autre truc. Filet vise. Ok. Adepte. D'accord. Ok. Je pense. Dire que c'est ça qui a tué tant de gens. Bon. J'espère que j'ai bien fait. Ouais. Faites attention. Sans tu sors, non? Et voilà les amis, alors on va stopper pour cet épisode ici. Hein. Je sais pas si je vais encore une fois le stopper en deux. Je vais arrêter l'épisode là et on va voir. Je vais vérifier que le son, si tout va bien, si tout est parfait, si tout est nickel les amis. Allez.
À tout de suite.